Dans le studio. Quoi, frère? Oh. Un gesson, brossage de dents, prise une. Et elle était terrible. C'est toi, Samir? On va parler de toi, frère. Il paraît que t'es un grand artiste. T'as une clé USB avec un son dedans ou quoi? Tu vas où? Ah non, frérot, touche pas au micro, s'il te plaît. Je le touche pas, frère. Je le déplace. Non, mais frérot, il faut le laisser en cabine. Ça, sa place, c'est en cabine. Mais toi, en fait, frérot, t'es quoi? Toi, t'es rappeur, toi. Non. Toi, t'es chanteur. Non, en fait, toi, t'es une rockstar. Ça se voit que ta tenue, t'es une rockstar. Ou alors, t'es choriste. T'es gogo danseur. Et toi, t'es quoi? Moi, je suis un ingé son. Et putain, c'est parfait parce que je cherche un ingé son pour faire une session là. Bah, vas-y, frère, je suis ton homme là. Rec. Coucou, mes petits loulous. Mes loups. Mais ce serait pas ton frérot Samir, aka l'ASMR du ghetto. Je vais glisser ma voix à l'intérieur de vos âmes. Pour que nous fassions union. Tout ça dans le plus grand des consentements. C'est bon? Maintenant que les bases sont posées, nous allons ensemble nous Madeleine de Proustée. Pour ça, j'ai ramené un délicieux kebab de chez Armel. Armel Roussel, qui roule pas les durums en dessous de ses aisselles pour vos oreilles vierges. C'est une guitare. Durum, durum. C'est bon. Oh, t'as un bon frère. Qui pourrait être autre chose si vous le désiriez. Mais moi, c'est ma madeleine de Proustée. Les frites, elles sont flinguées un peu, frère. Nous allons passer au dessert. Est-ce que vous entendez cette petite voix? Je crois que c'est Marie-Jeanne qui nous chante une petite comptine. Fume-moi, me dit-elle. Fume-moi, me dit-elle. Mais que je lui réponds, bah oui, moi je vais te fumer. Ça c'est algérienne, bien joué, bon. Non, frérot, on fume pas dans le studio, là. Ta gueule. Frérot, on fume pas dans le studio, je te dis, arrête. Ta gueule. Eh, tu me dis pas ta gueule, frère, t'es malade ou quoi? Ta gueule. Eh, t'es fou, tu me dis ta gueule comme ça, toi. T'appelles comment? Marek. C'est un joli prénom, Marek. Tu crois que je fais quoi ici, moi, Marek? T'es en train de fumer dans mon studio et ça va pas, ça? Non, je suis en train de faire de l'art, en fait. Marek, t'es mignon quand tu t'énerves. Et en fait, quand tu mets de l'ego entre nous, bah ça casse tout. Frère, je te dis, on fume pas dans le studio, tu fumes pas dans le studio, c'est tout. Moi, j'ai besoin que tu sois avec moi, t'as envie d'être avec moi, Marek? C'est un fou, là. Marek, mon frérot, ce que je vais faire là, c'est que je vais partager avec toi un traumatisme, quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Papa, quand t'es parti ce 15 décembre, que t'as prétexté que t'allais acheter des cigarettes, et qu'en fait t'es jamais revenu. Sale bâtard. C'est ce que j'ai pensé aussi, sale bâtard. Mais maintenant que je suis avec vous, que je suis avec toi, je suis prêt à mettre un pansement sur cette blessure encore ouverte et à te dire, je t'aime, papa. Non, frère. Frère, c'est pas une question. Mon frère Rossoni, tu sens très très bon. C'est bien. C'est bien de démarrer d'une sensation concrète. Mais va dedans. Lâche-toi. Tu sens très très bon. Vraiment très bon. Ton odeur, ça me rappelle la jeunesse. Quand on voulait percer dans la musique. C'était trop bien.
qu'il n'y avait personne pour nous barrer la route. Il n'y avait personne avec nous. Il y avait ma sœur. Et je regrette vraiment d'avoir piraté ton compte Instagram et d'avoir envoyé des photos de mon zizi à tous tes followers. C'est la police, putain, ils viennent toujours nous casser les couilles quand on s'amuse bien. Mais heureusement, j'ai toujours mon Glock sur moi. Pour leur dire que s'ils font les malins avec nous, moi je les flingue. Arrête, frère, arrête. Je suis qui, tic-tac? Samir, qui suis-je? Non, je suis pas Samir. Quoi? Je suis pas Samir. T'es qui? Je suis ta sœur. Mais oui, c'est moi. Tu me reconnais pas? C'est moi? Oui. Dis-moi que tu m'aimes. Hein? Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Plus fort! Je t'aime. Avec tout l'amour du monde. Je t'aime. C'est bien. C'est de nouveau Samir. Viens, mon frère. Eh hey, frère, tu m'as fait viens, de la mort. Viens. C'est bien ce que tu viens de faire. C'est pas évident ce que tu viens de faire, surtout pour une première fois. Non, c'était pas facile, frère. On s'est dépucelé sans se toucher. C'est enregistré, là? Ouais. Vas-y, sors, frère. No quiero par de bichis, languita como McDonald's. Como que muerto lo banco y lo McDonald's. Yeah.